L'exportation de riz vers la Chine est une entreprise importante pour la Thaïlande. La Chine raffole du riz au jasmin de haute qualité de la Thaïlande. Cet exportateur thaïlandais envoie 90 000 tonnes de riz en Chine chaque année. Il a un contrat d'une valeur de plus de 70 millions de dollars. Aujourd'hui, le riz voyage dans des camions puis dans des bateaux, un voyage pouvant s'étendre de 4 à 5 jours. La construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre la Chine et la Thaïlande pourra réduire le temps de trajet à 18 heures, en réduisant ainsi de nombreux coûts. I think one advantage for the real is go direct to the cities. Je pense que l'un des avantages de la ligne de chemin de fer est que celle-ci ira directement dans les villes, très près des centres de distribution en Chine. La gare ferroviaire se situe près des distributeurs et près des villes. Le transport du dépôt aux entrepôts est facilité et réduit les coûts. Lorsque vous devez aller en mer, il faut aller au port, et le port est loin de la ville. Les coûts de transport peuvent s'avérer onéreux. La ligne de chemin de fer est un avantage. C'est la même chose pour les marchandises chinoises destinées à la Thaïlande et les voisins de l'ASEAN et par extension l'Afrique et l'Europe. Les passagers trouveront la ligne de chemin de fer très attirante. 11 millions de Chinois ont visité l'Asie du Sud-Est en 2014. Un train de service direct pourrait rajouter 2 millions de voyageurs supplémentaires. Le billet aller-retour ne coûte que 100 dollars. La ligne a pour projet de passer par le Laos, apportant ainsi plus de développement aux faibles économies d'Asie. Je pense que le Laos se développe très rapidement et que son PIB augmente chaque année à grande vitesse. Je pense qu'à l'aide d'un réseau fiable et qui fait baisser les coûts des produits au Laos, cela réduirait les coûts de logistique du Laos. Pour l'instant, des trains très lents alimentés au diesel font partie des options de transport de la Thaïlande. Mais un nouveau réseau rapide pourrait changer la donne, à la fois pour les passagers et le commerce.